donne l'abscisse du point bleu sur la droite graduée sous la forme d'une fraction puis d'un nombre décimal. Donc le point bleu, il est ici. Alors je te laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de trouver la réponse à cette question. Et ensuite, on le fera ensemble. Donc maintenant que tu as réfléchi, ce qu'on peut voir, c'est que le point bleu, il est situé entre le point d'abscisse 4 et le point d'abscisse 5. Donc son abscisse est plus grande que 4 et plus petite que 5. Alors ça, c'est déjà une indication. Et puis ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que le segment qui est entre 4 et 5, il est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties égales. Donc chaque petite partie représente ici un dixième de la longueur totale. Donc là, j'ai 4 plus 1 dixième ici. Et puis, quand j'arrive sur le point bleu, j'ai encore un dixième. Donc finalement, ici, c'est 4 et 2 dixièmes. Alors, je peux l'écrire comme ça. Ce serait 4 et 2 dixièmes, on peut l'écrire comme ça, 4 plus 2 dixièmes, c'est un nombre fractionnaire, et si tu veux, on pourrait l'écrire comme une fraction en disant que c'est 4 plus 2 dixièmes, et 4 ici c'est 40 sur 10, donc j'ai 40 sur 10 plus 2 sur 10, c'est-à-dire 42 dixièmes. Voilà, ça c'est une façon d'exprimer l'abscisse de ce point sous la forme d'une fraction. Sous la forme d'un nombre décimal, c'est encore plus simple puisque on a la partie entière qui est 4, qui est donc ce 4 là et puis 2 dixièmes, eh bien c'est juste une virgule et puis à la place des dixièmes, je vais mettre combien il y a de dixièmes, c'est-à-dire ici 2. Et on obtient 4,2. D'ailleurs, tu peux voir que si tu divises 42 par 10, tu obtiens effectivement 4,2. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, on va faire un autre exercice. Je te propose de répondre à la même question pour ce point bleu qui est ici sur cette droite numérique. Alors c'est un petit peu différent, je te laisse réfléchir pourquoi, et puis essaye de le faire de ton côté, et ensuite on se retrouve. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble, et donc ici en fait ce qui est un petit peu différent c'est que le point bleu qui est ici il n'est pas situé entre deux euh, nombres entiers il est situé entre des nombres à virgule. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est plus grand que l'abscisse de ce point-là qui est 3,2, et plus petit que l'abscisse de ce point-là qui est 3,3. Donc l'abscisse de notre point bleu est plus grande que 3,2 et plus petite que 3,3. Et donc, ça veut dire que les graduations qui sont là entre 3,2 et 3,3, eh bien, ce sont des dixièmes de dixièmes. C'est-à-dire qu'ici, entre 3,2 et 3,3, il y a un dixième, et on a partagé ce dixième en dix parties, donc un dixième de un dixième, c'est un centième. Donc chaque petite partie ici représente un centième, et pour aller de 3,2 à notre point bleu, il faut ajouter deux centièmes. On a un centième ici, et un autre centième là. Et donc l'abscisse de ce point-là, eh c'est 3,2 plus deux centièmes. Alors 3,2, en fait, on peut très bien dire que c'est 3 et 20 centièmes. Et donc si j'ajoute ici 1 centième, eh bien j'ai 3 et 21 centièmes et ici j'ai 3 et 22 centièmes puisque j'ai ajouté un autre centième encore. Donc là ici c'est 3,22. C'est 3 et 22 centièmes, c'est-à-dire 3 et 2 dixièmes et 2 centièmes. Et bien sûr ça on pourrait l'écrire comme 322 centièmes, 322 centièmes ou bien 3 et 22 centièmes si tu veux. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est exactement partir de 3 et 2 dixièmes et ajouter 2 centièmes.